sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Alors on va essayer tous ensemble aussi pendant les zones un peu tampons. Ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, je relance à 9 pour plusieurs choses, donc pour protéger la couleur à pic, parce que j'ai une main forte. Il y a bien un joueur qui a fait deux paires 8-4 ou deux paires 3-4, je ne sais pas. Voilà, une paire de rois en main. 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Et ici, on va payer une fois. Pourquoi? Parce qu'on aura la position après. C'est-à-dire qu'on va checker, et ce sera The Terrorist d'agir en premier, et on aura vu ce qu'a fait toute la table d'abord. Tirage quinte bilatéral plus tirage couleur. Il y a 70 au milieu, c'est-à-dire à peu près le tapis de tout le monde. J'ai envie de miser bille en tête dans ce coup. Mais on a le rap de quinte, on est obligé d'y aller. On joue le 8 pour faire branlant de 8, le 7, le 6, le valet, le 10, on joue tout. Donc un as, ça c'est pas bon. Et le 9, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait carré de 9, d'accord. Bon, eh bien, un mauvais coup. Le problème c'est que j'ai pas de paire. Si je suis payé, ça sera par tirage couleur au-dessus de moi. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été trop long à agir. Donc la main est passée à The Terrorist. Donc ici c'est un tirage multiple, on joue 9 cartes de la couleur a priori pour gagner. Donc là The Terrorist a misé dans tout le monde, ce qui laisse présager qu'on est très très mal. Je pense donc que ça nous laisse très très peu d'outs, juste 6 outs. Et donc j'ai été éjecté. C'est le nouveau phénoménal, tristère du visage pâle. Le bateau est de retour. Donc ici, j'ai abandonné. Et là, je reprends la même stratégie. Alors, Calling Lake est jusqu'à présent plutôt une calling station. On prend l'initiative ici au cutoff. Donc on vole le bouton et on essaye aussi. Donc là, bon, on est payé 4 fois. Il faut absolument toucher le branlant. C'est misé immédiatement. Donc ici, on peut faire face à une relance. On n'a qu'une paire de 7. On n'a pas floppé, donc on va encore abandonner. Et ici, justement, je le sanctionne. Sanctionne, et ça passe pas. Donc ici, un flop qui est vraiment superbe pour ma main. Donc ici, je vais faire un CB, plutôt confiant de... Ici, justement, il me revient dessus. Ce qui me paraît un peu bizarre. Ici, en gros, je pense qu'il est en bluff au moins 8 fois sur 10. Donc ici, je vais envoyer tout simplement mon tapis. Donc j'ai envoyé mon tapis. Donc lui, je sais qu'il ne relance pas pour info. Hein. Je sais très bien que là où il est en bluff, où il a une superbe main, il peut aussi avoir quelquefois paire de 8. Mais en gros, ici, son range était très polarisé. Sur 4 tables, donc sur Everest Poker en NL1K et sur une table de heads up en NL5K. Donc NL5K heads up en live, ça a rarement été fait. Surtout en vidéo en duo. Enfin n'empêche, il était obligé de call avec son 4 et 5, vu son coup, même si c'était mal joué, il était obligé de call, il avait la cote. Qu'est-ce que tu racontes comme là? Bah oui, regarde, il avait tirage quinte plus tirage... Non, il y a tirage quinte flush. Non, on parle pré-flop déjà. Check au flop. Ouais. Que veut dire son check, comment? Bah, sûrement qu'il a soit un as pas bien kické ou soit R. C'est pas possible, ce mec-là, il... Je touche une paire ici, j'ai pas trop d'autre choix que check call, transformer main en bluff s'il y a peut-être un tirage quinte qui peut rentrer. Ou châter ta turn. Qu'est-ce que tu racontes comment là? Imaginons qu'il bête la turn, et donc le pic arrive river. C'est une blague comment? Non. Donc pourquoi tu cap bête? Parce que dans sa range il y a souvent un as. Mais arrête de me donner des conseils comme ça. C'est très mal joué. Comment ne dit plus rien, il m'aide plus, je suis seul sur ses modules. Pardon, coup intéressant là, il me cap bête assez vite. J'ai une paire de 8 ici. Je vais me broke. Maintenant la décision est comment? Comme ça. Et j'aurais dû mettre plus cher quand même. Et si chauffe, je call et puis on voit qui a gagné. Il a l'air d'avoir une décision. Il me call juste. J'aurais pas dû faire si petit, je le savais. Pourquoi je touche? Alors là, ici, c'est intéressant de checker. Très important okay. De checker parce que je pense qu'il a souvent Dame-Valet. Non. Je le voyais sur Dame-Valet, Valet-10. En tout cas, on va checker.
Si la roi dame, de toute façon, il va se broke. Putain, je suis un peu excité là, je t'avoue, avec ce bronze. Et là, il recheck. J'aurais peut-être dû bêter justement parce que j'avais une range faible. Est-ce que tu penses que le check ici est correct? T'as peur de rien, hein. Je vais bêter petit. Pour qu'il chauffe ses flush draws. C'est ce qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, quoi. Et qui chauffe ses rois. Il a déjà full tout à l'heure sur notre petit bête. Ouais, 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 ouais. Mais là, on dirait que je bluffe pas. Et là, il se commit comme un porc. Et je chauffe avec ma paire de 8. J'espère qu'il a pas paire de roi ou paire d'as. 4-5. Putain ! Putain ! Là, je vais me perdre beaucoup d'argent, là. Et il va meet and run en plus. Voilà. Et là, on sit out parce qu'on est complètement cagoulé. Et on y va. Et on arrête cette vidéo. Et on s'en va. Et on vous remercie de nous avoir suivis. On a expliqué... des comment concepts, des coups. Comment se faire cagouler. 6 bigomères pour Kratemi. C'est ça. Tu touches ta quinte avec ton 5 contre mon as A. Faudrait pas se foutre de ma gueule, hein. Ouais, je suis all-in parce que... De toute façon... Eh ben, il a son 5. Et voilà. Et... Non, je pète un câble ou pas? L'autre avec 7-5, non, il me banane non, la non, gueule. Non, non, tu parles. C'est de la triche, c'est de la triche, Baba. C'est de la triche, la merde. C'est impossible. La triche. Merde. Mais attends, Baba. Avec 7-5, il touche sa carte. Mais d'où on joue 7-5 UTG. Allez. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien jouer 7-5 UTG. Ça dépend, c'est mon département, moi je la joue. Putain. Je vais directement sur le site de Poker Academy. Des coachs de Poker Academy. Il y en a beaucoup trop, j'y comprends rien. Il y en a un, on comprend rien son nom, Como et la Playa, je me dis que c'est un touriste. Lui, THC, je me dis que c'est un fumeur de touch. Ça va pas du tout. Je descends, et je tombe sur un qui a une tête sympa. Ici, il s'appelle Panda. Je me dis que ça peut être pas mal, il a un nom d'ours, c'est un mec qui doit savoir jouer agressivement. Salut, c'est Comotier Lavigna. Salut, Como et la Playa, c'est Nico Flamingo. Je voulais savoir si t'avais reçu la vidéo que je t'ai fait là pour voir un petit peu le niveau que je propose. Ce niveau plus qu'exécrable, ce niveau qui nous fait un peu honte à tous. Ouais, t'es un peu dur là quand même, parce que je comptais me lancer dans le sponsoring. Le niveau est complètement... complètement à vomir. Bon bah Como, merci de ta franchise. Ça m'horripile, je vais vous défoncer. Il y a un truc qui bug chez Como et je vais voir son site internet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque chez lui. Et là, tout devient clair. Como a eu affaire à un coach mental. Rémi la déprime. Le Justin Bieber du coaching mental. L'homme connu pour avoir fait la vidéo la plus angoissante avec une musique extrêmement stressante et des graphiques très compliqués. Il a fait une séance de 2 heures de coaching avec une hypnose pendant laquelle je devais imaginer 2 murs blancs. Sur celui de droite, je devais penser à un qui me faisait tilter et sur celui de gauche ce qui me motivait. Oh, mais je ne désespère pas, j'envoie quand même mon CV à Pokerstar en collant la photo de Booba pour augmenter ma crédibilité. Mon CV est rejeté car le look d'ancien tolard n'est pas vendeur. Tada ! Toujours le même bâtard ! Fils de pute ! Bonjour à toutes et à tous, ici Booba pour PokerAcademy.com. Salut à tous, ici Yepa pour Poker Academy. Donc c'est Guillaume Maréchal alias Bob Vegas. Alerte au bling, bip 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 bip. Bonjour à tous, c'est Camille Hero 31 pour Poker Academy. Ici Zux Vank pour Poker Academy. Je suis H-Fan coach Poker Academy. Bonjour à toutes et à tous, c'est Muraille pour Poker Academy. Salut à tous, c'est Wesley pour Poker Academy. Salut à tous, c'est Xéa pour Poker Academy. Salut à tous, ici Freudinou pour Poker Academy. Salut, c'est Lorenzo. Bonjour à tous. Fana 68 pour Poker Academy. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lyon pour une vidéo pour Poker Academy. Focac, focac, pour moi.